À mon culture, et je l'ai dit en titre, la date est confirmée pour ce samedi 18 février à Kinshasa. Le festival Consultation Pastorale Light se tiendra bel et bien. Un spectacle comédie qui va réunir les comédiens congolais pour une démonstration de talent dans le but de transmettre la bonne humeur aux spectateurs qui y sont. Consultation pastorale, c'est le festival qui se déroulera ce 18 février à Aqua Splash à Kinshasa. Des artistes comédiens, pétris de talent, se sont réunis grâce au concours de l'entreprise Tosala Film pour mettre de la bonne humeur dans le chef de tout un chacun. À cette conférence de presse, les organisateurs ont éclairci l'opinion publique sur la particularité de ce festival. Consultation pastorale s'est inspirée en fait de faux pasteurs. Nous sommes une société très, très chrétienne. La RDC, c'est l'un des pays qui regorge le plus grand nombre d'églises. Et en fait, dans tous ces millions d'églises, il y en a de vrais, il y en a de faux. Et donc nous, on a voulu créer un concept pour parler un peu de ces sujets-là, des faux pasteurs qui vendent d'une certaine manière le nom de Jésus-Christ, qui utilisent comme fonds de commerce la parole de Dieu. Et on ne voulait pas donner une connotation d'église, on a voulu présenter consultation pastorale comme une manière pour les pasteurs de vendre la parole de Dieu, comme un médecin pourrait vendre ses services, son intelligence à travers des consultations. Un spectacle de 3 heures est réservé aux amoureux de la comédie avec une touche de professionnel. Notre objectif, ce n'est pas tant de résoudre le problème, mais c'est de parler d'un problème de société, de réveiller la conscience de ceux qui regardent et peut-être aussi de ces pasteurs qui sont dans la pratique. Et je pense que c'est un peu notre rôle en tant que culturel de parler des sujets qui peuvent faire réfléchir des gens. La date est calée, tout est fin prêt pour accueillir les spectateurs qui se rendent la partie.